Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous les frères et sœurs. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale. Oui, tonton va reprendre un tout petit peu de risque, on va dire. Je vais aller un tout petit peu à la salle avec mon pote Badis. On va y aller avec Lia, il nous attend en bas en voiture. Je vais aller le rejoindre. Tata, elle finit juste duplo d'une vidéo, elle va nous rejoindre dans la voiture. On va l'attendre vite fait un petit peu en bas. Direction la salle, je vais essayer de ne pas trop travailler les bras, je vais plutôt travailler les jambes et je ne vais pas essayer de forcer, mais je vais surtout travailler les jambes parce que là on va faire du foot et tout, je vais me remettre un peu au sport. Donc des fois, travailler les jambes, c'est bénéfique, c'est bien, ça peut être bien. Pas forcément toujours vouloir travailler les bras, mais on va juste essayer de travailler les jambes. On va peut-être essayer de soulever un tout petit peu avec les bras, mais pas beaucoup, hein, voilà, parce que bon, on peut le dire, hein, la traction m'a brisé, non pas le cœur, mais l'épaule. Donc, elle et moi, pour l'instant, c'est fini. Hein. Elle m'a pas encore brisé le cœur, elle m'a juste brisé l'épaule, mais pour l'instant, je lui fais un peu la gueule à la traction. Mais dans pas longtemps, voilà, on prendra la musculation normalement. Là, on va juste aller à la salle avec les potes et avec Lille. Bref, c'est parti, je vous ramène avec moi. On y va! Bon, il nous attend, là. C'est celle-là que tonton va prendre comme voiture. Ça, c'est ma voiture, les gars. Ça, c'est ma voiture, il va la vendre. C'est ma voiture, ça. Ça, c'est la voiture à tonton, ça. Vous voyez? Ça, c'est ma voiture. Wesh, beau gosse! On a marre des Arabes. T'as toujours en retard, hein. Salut. Marre des Arabes. Tu vas bien? Tu vas bien, frérot? Ça va? T'es un peu loin, je te sers la main. Ça va? C'est même pas à cause de moi, c'est à cause de la salle française, c'est même pas à cause du sale arabe. Bon, les rêves, comme vous voyez, c'est il va me la vendre dans pas longtemps. C'est ça, hein, Badis, tu m'as dit, tu me la vendre dans pas longtemps. Hein. Plein pot, ouais. Voilà. C'est ça que je vous ai dit dans... sur le live, là, on peut régler les sièges et tout, c'est trop stylé. On peut vraiment tout régler dessus. Elle est magnifique. Il est où, Abou? Abou, il a abandonné. Sérieux? Ouais, c'est... Oh là là. Regardez, depuis que ce mec a vu ma vidéo, il échauffe les épaules avant pour éviter une blessure. Mais ça, c'est depuis qu'il a vu un con, je crois. Ouais, un connard. Ouais, un connard. Ouais. Je crois qu'il y a pas mal de monde qui ont vu ce connard. Là. Ouais, un connard là avec une épaule de fragile là, il s'est pété l'épaule en vidéo sur YouTube. Ridicule le type, quoi. Ça, non, ça, ah non, j'ai reparti pour l'hôpital moi avec ça. Vas-y viens ma chérie, venez des frères et sœurs, accompagne-moi. Bon, comment ça marche ce truc? Bon, d'abord, je mets combien de temps? 10 minutes? Voilà. Âge. Âge. 25, tu m'aides à la régler? Comment ça, âge 25? Tu veux pas ton âge? Bah, c'est marqué âge. Ah, mais là, tu vois, c'est. Attends, ça part vite! Ah non, c'est pas vite. Ah, ça va. Ça va. Là, c'est ta vitesse, tu vois. Tu arrêtes comme ça. Après, c'est ta vitesse. Si ça me flingue l'épaule, c'est ta faute. J'y vais tranquille.
Ah, je veux que tu serres mon doigt là. Putain, on va lui offrir un soutif en mars là. Foiré. Il est parti pour aller fake d'Alex là. Vas-y, ton tour. À mon tour, ouais, on va réduire le poids. Ouais. Attention ton épaule quand même. Hein. Ouais, elle va repartir cette saloperie. Attends. Ça arrête de faire le gros dur comme certains qui font les. C'est comme certains qui font les gros durs là. C'est comme ça ou il faut. Cambre-toi, voilà. Comme une belle dorette. Ton cousin d'un fois il m'a fait faire ça. Quand tu portes, il m'a dit, tu te mets bien comme ça, tu vois. Et tu soulèves le truc, tu sais. Bien comme ça, tu sais. Il m'a dit, t'inquiète, tu vas avoir l'habitude après cette position. Je suis à combien? Hein? Je suis à combien? Je sais pas, tu sais, faut compter, j'en ai pas. Ah ben moi, tu sais, comme l'a dit Mike Tyson, on compte que la fin des pompes et jamais le début. Je sais plus c'est qui, mais je sais pas s'il a dit comme ça non plus. C'est genre le mec. Alors quand ça t'arrange. Poussez madame. Poussez madame. Il arrive. J'ai perdu l'épaule à cause de lui. Félicitations. Je suis passé de 20 à 30 kilos. Il pèse 30 kilos. Voilà. C'est. Hey, mais moi je suis pas loin, je suis le double. Hein. Je suis 60, 65. Pour arriver à faire pareil, t'as. Pourquoi j'ai fait ça avant? J'annonce à tout le monde. Je vais regarder chaque commentaire de cette vidéo. Le premier connard qui me descend, je vais le chercher chez lui. En cas où, pour ceux qui le connaissent pas, c'est le cousin de Body Time. Hein. Avec un petit peu moins de muscles. Avant, il avait des cheveux longs, soyeux, des cheveux d'italien, il faisait des plaques et tout. Maintenant, la flemme. Regardez ce qu'il a sur le crâne. Oh là là! Tu vois là quand je pousse? C'est comme je vais te pousser, connard. Là j'en ai fait 12, je vais repartir pour une autre série de 12. Bon, on a fait la série de 12, ça fait du bien. Je vais encore faire 2-3 machines je pense. Après on va arrêter mais bon, je crois que je vais aller faire un petit tour je crois. T'as présenté ma nouvelle voiture? Enfin, je vous ai présenté ma nouvelle voiture tout à l'heure, mais Tata, elle a oublié de mettre le son. Avec les clés. Voilà. Et mon téléphone aussi. Il est là, mon nouveau téléphone, mon nouveau Samsung. Voilà, j'y vais. Tiens, prends ma pièce d'identité, elle est là-bas aussi. Ah, la pièce d'identité? Ouais, elle est où? Tu peux la prendre. C'est un titre de séjour. Okay. C'est la carte d'identité algérienne, si tu veux. Eh, hey, commence pas, hein. Commence à zoomer le connard. Tu zoomes le ventre. T'es un gamin en fait. Fais montrer la souffrance. Fais montrer la souffrance. On dirait pas qu'il est en train de faire caca. Tu sais comment je vais l'appeler? Y'a l'Abdel. Caca-man. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah ouais, c'est pas mal comme entraînement ça. Allez, attends, toi. C'est bon, j'ai trouvé un nom pour lui. Ça va être pause caca. C'est dans un film ça déjà, mais... Un petit peu plus.
Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Momo, viens pousser à sa place, s'il te plaît. Il me fait une épaule à cause de toi encore. Viens, fais une course, toi et moi. Une course de quoi? Une course sur le tapis. Je t'allume. Ah ouais, t'es sûr? Je t'allume. Allez. On fait celui maintenant. On fait celui qui abandonne en premier. Qui abandonne quoi? La course en premier. Vas-y. Vas-y. Go. Allez, c'est parti. On va faire un défi avec mon pote, celui qui abandonne en premier. D'une, je suis un tricheur. Deux, je suis un Algérien. Et trois, je pèse 84 kilos. Et donc je c'est plus lourd à porter. Ouais, mais t'as plus de muscles. Ouais, mais ça va voir. Allez. Allez. Et oublie pas, t'as bu, j'ai pas bu et j'ai couru, t'as pas couru. Ouais, bah t'as couru, bah t'es prêt, t'es chaud. Allez, c'est parti, les gars. Tu vas à quelle vitesse? On va se mettre en premier tout d'abord, on va aller tranquille. Là, j'ai la clim en plus au-dessus de moi. Passe-moi quoi là, pour commencer. On y va? Je sais pas combien. On se met à 10? On part tout de suite? Ouais. Là, tu passes 6, c'est pas si ça. Et après, on passe à 13. Celui qui joue le plus longtemps à 13. Ok. Il fait le beau, regarde. C'est beau. Allez, 13. Du coup, il a abandonné. Ouais, il a triché. Il m'a dit on arrête. Je lui dis bah. On prend un slow motion. Je ne suis pas essoufflé, regardez. On prend un slow motion là-dessus. Je ne suis pas essoufflé. Et tu transpires. Ouais, mais c'est normal. Tu transpires aussi. Moi, j'ai fait une séance de sport avant. Je vois des bouts de pizza tomber et tout, moi. T'as moi, il transpire. Bon. En tout cas, là, on va rentrer à la maison. On va aller se laver. Et puis, on. Direction le bar de mon pote. On va aller chez lui un peu boire un petit coup. Un petit coup à fraise. Je sais qu'il m'attend déjà. Bon, on y va. Allez, go. Allez, c'est parti. Ouais, frérot, c'est super. Voilà la voiture de mes rêves. Et regardez en plus, bizarrement, elle s'allume en bleu. On dirait que c'est juste fait exprès pour que les mecs comme moi qui sont amoureux de la couleur bleue, eh bien, ils l'achètent, tu vois. Ils sont malins.
Bon, Alfred, qu'est-ce que tu penses de ce sport qu'on vient de faire, Alfred? Pas du tout fatigué. Ouais, t'as vu ça un peu? Surtout que t'as abandonné en premier. Oh putain, de toute façon on verra tout ça sur la vidéo. Bon, j'ai un petit peu triché, j'ai un petit peu appuyé sur le bouton d'arrêt. Mais en même temps c'est normal hein. Oh là les frères et sœurs, c'était pour lui que j'ai fait ça, j'ai cru qu'il allait mourir au bout d'un moment. Ouais, t'arrêtes de mentir. Et je me suis dit, oulala. T'as appuyé sur le bouton émergency carrément, t'avais pas appuyé sur stop. Je me suis dit, ouais mais justement c'est... Mec, il a appelé les secours. C'était urgent pour lui. Tiens. Allez, bon, direction la maison du coup. On va se laver un peu et après, ben, direction le bar, petit coca fraise, prosaïque. Re les frères et sœurs, donc comme vous avez pu le voir, je vous ai fait un petit vlog avant d'aller à la salle. Je vous en ai fait un pendant la salle, je vous en ai fait un après la salle. Là, je me suis lavé, je me suis douché, je suis nickel, je suis beau gosse. Là, on va pouvoir aller rejoindre mon pote au bar, boire un petit coca fraise avec lui, tranquillement avec l'IA. Regarder le match, s'il n'est pas fini, s'ils sont pas finis les matchs, ce serait cool de mater un petit match avec. Un petit peu de cacahuète au bar et ce serait nickel. On va parler un tout petit peu de son projet à lui aussi parce qu'il a un petit projet. Je peux pas vous en parler non plus, mais on vous en parlera bientôt avec Alex. C'est le cousin de Bodytime en fait, hein, mon pote. Hein. Donc on vous en parlera après, plus tard, je pense. On vous en parlera avec Body de toute façon et avec mon pote en même temps. Là, on va tout de suite aller dans son bar en tout cas. Et on doit parler un peu de son projet. Donc c'est quelque chose d'assez secret encore pour l'instant. Les gens ne peuvent pas encore le savoir, mais on vous le dira un de ces quatre. Vous le saurez de toute façon. Parce que de toute façon, le projet a un lien avec la chaîne de Bodytime, ma chaîne. Et tout ça, vous verrez bien. Ok. Bon. Go bar, boire un petit coca fraise pour tonton. Ça, c'est mon truc préféré, moi. Coca fraise. Y'a rien de mieux, frérot. Y'a rien de mieux. Rien de plus vrai. Bref, c'est parti. On va laisser donc Youmed et ma petite soeur à la maison tranquillement. Et nous, bah, on va aller vite faire rejoindre mon pote et parler du projet quand même parce que c'est important. C'est un bon projet, vous verrez bien. Bref, allez, go, on y va. Bonjour tout le monde. Donc là, on est arrivé devant le bar-restaurant de mon pote. En fait, comme je vous ai dit, en fait, c'est pas forcément un bar. En fait, c'est aussi un restaurant. C'est-à-dire qu'à midi, en fait, tu peux aller manger. C'est une sorte de brasserie, en fait, on va dire. C'est plus une brasserie. En fait, et je vais vous montrer. Ligne 16. Café. Voilà, donc c'est. Vous voyez, il y a des petites tables. Il y a le tram qui passe juste à côté, par contre. Hop. C'est nickel. C'est ici à l'intérieur, là. Des petits feuillages, là, pour mettre la télé dehors. Après, à l'intérieur, il y a deux étages, je crois. Bon, c'est parti, on va aller rejoindre mon pote. Après, là, les frères et sœurs. Oula, il y a un petit peu de vent, là. Je suis désolé si vous entendez le bruit. Mais là, en fait, si vous voulez. Là, je vous montre un tout petit peu. Là, on est en plein milieu de Grenoble. Là, on est où exactement, EV? Comment s'appelle cet endroit déjà? Notre-Dame, je crois. Non, voilà, on est à Notre-Dame en fait. Là-bas, vers là-bas, il y a une église. Juste au-dessus, là-bas, il y a une église. Vous voyez, ici, on est dans la place Notre-Dame. Leur restaurant, il est ici en fait, si vous voulez. Le café Ligne 16 en fait. Voilà. Et en fait, si vous voulez, juste ici, il y a quoi? Il y a 2 ans, si vous voulez. Il y a eu un braquage de bijouterie. La bijouterie, elle a fermé en fait, si vous voulez. Mais il y a eu un putain de braquage de bijouterie. Le daron de mon pote, en fait, il y avait des personnes handicapées qui étaient ici à l'extérieur. Et du coup, en fait, il a dû rester avec eux à l'extérieur juste pour les faire rentrer après. Et du coup, en fait, juste ici à l'intérieur, là, le cordonnier, je crois que c'est à la place du cordonnier. Hein. C'est à la place du cordonnier, je crois. Il y a eu un braquage et il y avait des mecs, genre avec AK-47 et tout. Il y avait genre la police ici et tout. Enfin, juste ici, là, il y avait la police ici et tout ça ici. Et. Bonjour. Bonjour. On fait un petit selfie. Un petit selfie, ouais. Vas-y, un petit selfie. Hein. Attends, je vais te prendre. Vas-y. Hein. Bah non, mais viens avec nous. Voilà. Hein. C'est bon, les gars. Sans. Ouais, non, ah, non, voilà, sinon, ça va être sur la vidéo. C'est allez, bien on et tout. Allez, nous aussi. On peut venir avec vous, les gars. Allez, allez, on fait un selfie général. Attention. On est au feu général. Moi, comme vous voyez, je viens de me faire attaquer par 6 ou 7 mecs là. C'était des abonnés. Donc voilà, ça fait plaisir. Mon Dieu, on peut prendre un selfie. Je les ai pris en vidéo, tu sais. Bon, bref. On attend que cet enfoiré arrive parce qu'il est toujours en retard. Je lui dis t'arrives dans combien de temps? Il m'a dit j'arrive dans 5 minutes heure française. Oui parce que 5 minutes heure arabe c'est 15 minutes je crois. 15-20 minutes hein. Nous les arabes quand un rebeu te dit qu'il arrive dans 16-15 minutes, il n'arrive pas dans 16-15 minutes. Voilà c'est comme ça. Et en fait j'ai une idée je crois avec lui quand je vais faire des rendez-vous, à partir de maintenant quand je vais faire des rendez-vous avec lui. Si on a rendez-vous à 17h, eh ben je lui dis qu'il y a rendez-vous à 16h. Ouais, puisque. Bonne technique ou pas? Comme ça, t'es sûr qu'il soit là. Voilà. Bon, il arrive quand là? Bah, en fait, là, ça fait 5 minutes françaises déjà. Je vais le tuer. Mais en fait, les 5 minutes françaises sont passées. Les 5 minutes françaises, elles sont passées depuis longtemps là. J'ai eu le temps de rencontrer des abonnés, de prendre des photos avec des abonnés et tout. Bon, ben. On se retrouve tout à l'heure, hein, dans ce petit froid. Ah, je vais. Enfin, on peut rentrer dedans, mais bon. Tu sais, j'ai pas envie de rentrer dedans parce que moi j'aime bien quand je rentre, je commande, tu vois. On attend que salopard arrive. Voilà un barjo qui arrive là-bas, c'est lui. Voilà, il bloque tout le monde.
Voilà. Ah, il fait des appels de phare. Qu'est-ce qu'il veut encore celui-là? On va courir. C'est parti. Re 5 minutes terre française. Voilà. Hein. Qui... Bah oui, 5 minutes. Eh bah putain. Putain, vous avez couru juste pour ça. Ouais. Bon, du coup, tu trouves une place? Bah ouais, je vais essayer de me garer là-dedans, mais bon, c'était la place d'une Twingo, quoi. Bon, arrêtez un peu de conneries, ok? Bon, les frères et sœurs, en tout cas, j'espère que vous avez passé une très très bonne journée en notre compagnie. On vous a ramené un petit peu avec nous à la salle de muscu. Après, j'ai revlogué un petit peu à la maison pour vous dire qu'on a fini la salle de muscu. Bon, enfin, vous le savez qu'on avait fini la salle de muscu, hein, mais je veux dire, juste après la musculation, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Bon, on se douche. Voilà, on s'est douché. Après, forcément, mon pote, tout simplement, on est allé le rejoindre à son bar. D'ailleurs, comme je vous ai dit, n'oubliez pas le nom de son bar. Ligne 16. Ligne 16. Café. Café, voilà. Donc, c'est un café, bar et restaurant. Donc, à midi, ils font à bouffer. C'est très, très bon. Donc, voilà, c'est un pote. Donc, n'hésitez pas. Et bah, 10, je compte sur toi. N'oublie pas mon chèque de 5000 euros, s'il te plaît, pour cette publicité. Je compte sur toi. Non, c'est... Vous-même, vous avez des amis et je pense que si des fois, vous pouvez juste... dire un tout petit peu ce qu'ils font et c'est quoi leur truc ou c'est quoi où ils bossent, ben vous le dites. Bon, lui, il bosse pas au bar, hein, mais c'est à sa famille. N'hésitez pas, un T4, si vous voulez aller goûter un petit truc, aller manger au restaurant ou aller boire un petit coca fraise comme tonton, n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, ben, moi, je me suis régalé aujourd'hui. C'était super, un petit peu de muscu. Aller se poser un petit peu avec le poteau au bar, tranquillement, alhamdoulilah, tu vois. Il manquait juste une dernière chose. Qu'est-ce qui manquait à ton avis? Un petit match. Ouais, mais un ça va match. Revenir. En plus, bientôt, il y a Paris, PSG, OM, bientôt. Voilà, donc dimanche, on va essayer. Je dis bien, on va essayer de vous ramener avec nous au foot. Nous, on va pas tarder ce soir. Alors, on va aller se coucher très vite parce qu'on va aller voir un film demain. John Wick. Et franchement, je vous conseille de regarder le 1 parce que mon pote, là, était dans sa voiture vite fait, il m'a fait montrer le 1. Dinguerie. Le mec, c'est un tueur à gage en fait. C'est un tueur à gage de dingue. Et bref. De bonjour. N'hésitez pas à aller le voir, vous aussi, John Wick. John Wick, je compte sur toi aussi pour me balancer du coup un billet de 5000 euros. J'arrête pas de faire des pubs depuis tout à l'heure, je suis un petit peu trop gentil. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu vas parler avec moi dans la vidéo? Allez, viens. Tu veux te faire plaisir, c'est ça? Allez, viens. Mirza, voilà. Regarde. Voilà. Bébé, dis bonjour. Dis bonjour à la caméra. Dis bonjour. Voilà, vous dis bonjour avec son c'est gros bisou. Bien. C'est bien. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé une très très bonne soirée en notre compagnie. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. On se retrouvera toujours pour des vidéos plus différentes les unes que les autres. Et puis j'espère que cette Mercedes, Badis, tu vas vraiment me la lâcher. Bon, en tout cas, mon objectif, c'est vraiment d'avoir la même voiture, quoi. J'ai toujours aimé des voitures comme ça. C'est mon rêve et c'est celle-là que je veux, moi, personnellement. Et une maison aussi, ça serait bien. Hein, tonton, hein. Ce serait bien une maison aussi, tonton. Bah oui, ça serait bien. Hein, Mire ? Bon, en tout cas, nous, on vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous et de la Nifa. C'était tonton et tata et Badis qui n'est pas là. Ciao.